C'est Aura, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Far Cry 4. Et donc je vais vous expliquer quelques petits trucs. En gros donc voilà, j'ai fait une session, j'ai recordé un épisode, ça a planté, Sony Vegas n'a pas voulu faire le rendu et ça a corrompu mes fichiers sources. J'en ai marre que ça me fasse ce bug. Et donc voilà, et j'ai fait une session, une petite session off, et durant l'épisode que j'ai tourné, c'était un épisode où je prenais des avant-postes, etc. Et donc ben j'ai pris les avant-postes et les tours radio, et donc ben j'en ai pris deux ou trois, j'ai pris deux trucs ou trois trucs en off, sinon tout le reste c'était un record. Donc ça me dégoûte un peu, mais bon, dans cet épisode on va continuer à prendre des tours radio, des... Bah peut-être pas des tours radio, mais prendre tous les avant-postes qu'on peut prendre pour pouvoir bien continuer l'histoire. Comme on le souhaite, parce que on pourra avoir des armes plutôt puissantes, etc. Donc avec tous ces épisodes là, donc il y a eu des quêtes aussi secondaires que j'ai fait en record. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'en fait c'est des trucs libération d'otages, etc. Mais moi j'aime bien les faire en record, et puis bah ça n'a pas marché. En record n'a pas marché, donc bah ça m'a dégoûté un peu. Donc ce qui se passe c'est que... Ouais c'est bon. Ce qui se passe c'est que maintenant ben, la carte elle est comme ça quoi. Elle est comme ça, donc dans l'épisode 4 ben, il n'y avait que ça en fait. Donc voilà. Donc dans cet épisode là on va aller prendre 7 tours radio, 7 avant-postes, 7 avant-postes, 7 avant-postes. On va prendre un maximum d'avant-postes possible. Mais on va déjà commencer par prendre celui-ci. Parce que j'avais cette tour radio qui était prise en off, celle-là. Alors, je vais essayer de pas renifler parce que je suis malade. Hein. Malade comme un chien, être enrhumé en mois de juin, c'est un peu le comble, mais bon. On va voir ce qu'on peut faire. Non, je veux pas écraser des civils. Mais après, c'est mon problème si je jette sous ma roue. Hein. Donc, en armes. Tiens, tant qu'à faire. Donc, j'ai débloqué deux armes. Enfin, plusieurs, mais... Donc, j'ai débloqué le dard. C'est une arme signature, donc c'est une scorpion avec un silencieux et une lunette. Qui m'a coûté 300 000, je crois, 300 000 roupies. Deuxième, c'est un sniper, c'est un M700 qui est à la boutique, là. J'aurais peut-être aller chercher, parce que faire un avant-poste sans sniper, c'est un peu compliqué. Bon, bah, on prend du loup, on en voit la queue. Voilà, alors toi, tu vois, voilà. Donc là, j'ai la 2000 qui est débloquée, bon, voilà. Le D2, c'est un fusil à pompe. Voilà, je suis à 105 000, vendre mes biens, là. Pas de rhinocéros, bon, on va vendre. Ça me dérange pas, de toute façon il y aura des épisodes de chasse. Hein. Voilà, 195 000. Donc j'ai pare-balles. Voilà. On va prendre armes. Donc voilà, donc les armes que j'ai débloqué le rebelle, le guerrier. Donc la prochaine arme que j'ai acheté, ça va être celle-là. Et donc voilà, et j'ai débloqué, c'est le M700. Donc il y aura un épisode où je vais faire de la chasse. Donc voilà, je tiens à dire, si un épisode que vous voulez voir, c'est de la chasse, je vous mettrai un lien dès qu'il sera fait, etc., dès qu'il sera upload, vous puissiez directement aller le voir. Donc voilà, donc on va aller prendre l'avant-poste, avec un beau sniper, le M700 que j'ai en gros, donc j'ai acheté la lunette améliorée, le silencieux, ah, j'ai débloqué un truc, c'est... Ah. D'accord, donc... J'ai aussi des points de compétences que j'avais pris dans l'épisode que j'ai record. Hein. J'ai eu des points de compétences, donc on va aller prendre le truc de karma ici. C'est un messager. Alors donc, il y a un truc trop stylé que j'ai débloqué. C'est, donc, faut rejoindre lui, là-bas, déjà. C'est que les véhicules. Dans ce temps avec des véhicules. Je pense que vous avez déjà vu ça dans le cinéma hollywoodien, pardon, excusez-moi. Voilà, donc... J'ai envie qu'il me lâche la grappe. On va le buter. Donc. Elle meurt. Voilà. Donc on va fouiller ce mec. Alors les événements karma, j'aurais bien débloqué tous les événements karma. Enfin faire tous les événements karma, comme ça j'aurais mon niveau qui va augmenter. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu que pour avoir une certaine arme, il faut être niveau 600 karma. J'ai débloqué 150 points, je crois, de karma, là. C'est quand même un petit peu des... Voilà, 150 points de karma. Je crois que c'est 2000 ou 2600 pour monter de niveau. Passer au niveau 1. Enfin, soit c'est niveau 1, soit c'est niveau 2, je sais plus. Voilà.
Donc on est dans notre petit pick-up. Donc là-bas c'est des ennemis. Non ? C'est quoi ? Oh, c'est des ennemis. On va. Cette arme est vraiment très précise, hein. Je suis vraiment content de cette arme. Voilà. Alors il y a un marchand. On va s'arrêter, on va racheter des munitions parce que ça c'est cool vite. Alors donc plein de munitions, voilà. Oh. On peut voir les niveaux. Alors ok, donc encore 5 événements karma puis c'est bon. What? J'ai pas bien compris comment je suis mort. En plus je reprends là. Ok. Autre chose. J'ai rien à dire. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. Il a duré à peu près 40 minutes. Hein. C'était pour me rattraper d'un des bugs que j'avais eu. Pour entre épisode 3 et 4. Alors, je vais remettre le point maintenant. Trop bien. Point à l'avant-poste. De l'autre côté. C'était pour me faire pardonner. Donc j'ai fait énormément de choses. Et j'ai aussi acheté la wingsuit. Il y a un événement karma là-bas, mais la flemme, j'ai un avant-poste à prendre. Bref. Excusez-moi. Donc voilà. J'espère que vous savez. Hein. Moi, ça peut aller. Enfin, je me traite, quoi. On va aller prendre cet avant-poste. Je vais aussi montrer le sniper que j'ai acheté, hein, le M700, qui est plutôt pas mal. Sincèrement, il est... Je dois améliorer au sniper, au tir à distance. Ok, non mais toi conduis mieux. Mais Jean-Claude, s'il te plaît. Mais avance. J'ai bien, je lui fais rien. Ouais, je perds des points de karma comme ça. Trop bien. J'ai bien, je fais rien. Mais qui s'est pas roulé. Il me fonce dedans et il veut me buter. Alors je suis allié. Bref. On va lui échapper. Bien ce Golden Path, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Oh. J'aurais pas tiré dessus rien, bref. L'IA de ce jeu, de temps en temps, elle déconne. Ok, donc il est là-haut. Ah, d'accord, l'avant-poste, c'est juste là. Ok. Alors, on va y aller en mode fufu, donc le sniper, il est... M700, voilà. Comme ça. Ok, donc là, je suis directement dans... Est-ce que je suis vraiment dedans? Ah, je suis vraiment dedans, là. L'alarme, elle est où? Il m'a déjà... Les chasseurs. C'est bon. Tout, ok, toutes les armes sont désactivées. C'est bon à savoir. Alors ensuite. Alors j'y vais vraiment mode fufu. Hein. Alors j'aime pas les scènes d'action, j'aime bien les scènes d'action, sérieux. Trêve. Arrête de lancer des grenades mon vieux. Est-ce que c'est bientôt fini? Le chasseur. C'est bon. Ça va très vite après les avant-postes, hein, sérieux. Dans Far Cry 3, ça allait plus lentement. Il y a plus de difficultés. Ah là. J'aime bien toutes les animations comme ça, avec les couleurs. Ce jeu est hyper coloré. Alors donc, ah tiens, un truc d'otage. Libération d'otage. Bon, je vais te sauver. Avec les soldats et m'ont dit qu'ils nous tueraient si on... Ouais, bah attends 5 secondes avant de parler. Ok, j'ai rien à voir. Mes amis sont coincés. Sauvez-les avant qu'ils les forcent à se prostituer. Très bien. D'accord. Bon, bah je vais faire ça. Je vais d'abord fouiller le gars là. Faut aussi que je enlève la fiche qui est là. Je sais pas comment je vais faire. Je crois qu'on a eu de la chance d'arriver à Paris.
pas l'enlever. Namasté. Namasté toi-même. Pardon, je sais que ça veut dire bonjour. Hop. Alors la wingsuit, c'est simple. Vous prenez une branche, vous mourrez. J'ai déjà vu plus réaliste. Hein. Prends 12 balles de sniper. Ouais, c'est bon. Je pourrais pas l'activer. Pas assez de hauteur. Et ben on va aller faire cette mission. La wingsuit, voilà. 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 Voilà ce que je vous disais. On se prend une branche, on crève. Bref. Ouais, je vais arrêter de rager contre ce jeu, parce que ce jeu est vraiment super. Non, Ricky, ce n'est. Ok, laisse. Ok, d'accord. Bon, même le jeu ne me respecte pas. J'adore ça, bref. Donc, on prend ça. Et on va aller se faire la libération d'otages. Qui se trouve ici. On va y aller par la route. Il y a une petite, un petit pick-up. Et on roule. Oh, oh. Pourquoi des ennemis là? Tu crèves en grand. Ce jeu m'a pas vu cette. Voilà. Coup. Je joue en robot. Alors donc on va rouler. On roule et puis ben voilà. On va voir ce que ça donne. Je serais plus d'avis à me mettre en hauteur. C'est mieux pour les missions d'otage. J'aime bien faire ces missions là parce que c'est calme et reposant, on doit pas trop foncer dans le tas. Donc j'ai remplacé la JM hein, par celui-là, par le DAR. Voilà. Donc c'est où? Parce qu'une grande zone hein. L'escalade. Alors c'est par où? Où c'est? Ok d'accord, c'est juste ici. Et le véhicule. Oh, j'ai flippé. Voilà. Alors le sniper, j'aime bien cette arme. Alors on va glisser par le mur, comme ça on ne prendra pas beaucoup de dégâts. On ne prend même pas du tout. Ce qui est plutôt efficace. On va. On va libérer deux otages. C'est bon, la mission est finie. Waouh. Non, il n'est pas fini. Quand est-ce qu'elle sera finie? Voilà, elle est finie. Les prestations sniper, ça va encore. J'aime bien l'infiltration dans ce jeu. C'est le seul truc au sniper que j'aime bien faire. Allez affronter des mecs au corps à corps. Je reviens mon sniper. Voilà. Bon, plutôt si. Alors je fouille pour pouvoir revendre, pour pouvoir acheter mon l'arme que je voulais, le rebelle. Pour voir ce que ça donne. Je sais pas si c'était un chasseur le gars ou si c'était un. La libération voilà. Des otages est un excellent début. Ça fait autant d'esclaves en moins pour Pagan. Et encore moins d'argent pour son trésor de guerre. Je fouille. Alors je peux même faire. J'aurais même pu faire une exécution par le haut. Mais je sais pas si ça va être trop dur ou pas. On va vous montrer vite fait les compétences. Parce que bah j'ai pas à l'avancer donc voilà. Compétence ça a beaucoup avancé aussi. Voilà. Donc la confection ça avance pas beaucoup par contre, faut vraiment que je
qu'on chasse. Mission de campagne, voilà. De campagne plutôt. Arme. Ok, d'accord. Forteresse, il y aura 4 trucs. Et des clochers, il y en a encore. L'arme spéciale canon est maintenant disponible dans les comptoirs. Ah, intéressant. Alors, donc il y a une tour radio ici. Et j'ai un truc ici. Donc on va aller. Non, on va aller. À Banapour. Ou non, allez, ici sera plus proche pour l'avant-poste et pour le. Pour l'avant-poste et la tour radio. J'espère que cet épisode soit plus long pour vous. Voilà, donc regardez, il fait de l'arme qu'on a débloqué. Le canon, ah. Arme spéciale, ok, coûte 300 000. Est-ce qu'il fait plus de dégâts? Tab. Il fait plus de dégâts. Ah là, il a un peu mieux le canon. J'attends de voir. Pour les armes. Je sais pas si celle-là c'est une arme de poing ou pas. J'ai encore 6 niveaux de karma à monter. Ah, dur les. Donc voilà, bref, on a bloqué ça à 2 points de compétence. Où est-ce qu'on pourrait les utiliser? Entraînement technique. Je travaille plutôt ici. Exécution enchaînée, ça pourrait être pas mal. T'as une quête œil pour œil. Ah, intéressant. Comme il y en a une ici. La chercher, avec ou sans aide. Je peux vous aider. Alors. Il faut agir vite. C'est bien, mais moi je vais demander. Je viens de couper la parole, mais bon, hein, m'excuserai. J'ai de la route à faire pour aller à la mission là-bas. Mission œil pour œil. Pour débloquer un point de compétence. Donc, on va débloquer un truc de compétence. Donc, autant le faire. Atteignez les cibles et équipez-vous. Ah, ok, d'accord. Bien les personnes qui se mettent sur notre route, enfin, sur notre roue plutôt, sous notre roue. Ah, tiens, la moitié du truc. Je vais faire le mien, sniper, hein. C'est pas contre vous, mais... Il y en a qui est là. Fouillez la zone. Enquête. Ah, vous n'avez pas eu... Ok, vous utilisez un fusil à pompe. J'ai pas bien compris la mission. Ok, donc j'ai fusil à pompe qui est là. Ok, d'accord. Je pars. Faut que j'ai tué aux pompes. C'est pas une mission épourée, ça c'est mission je pense dans le temps. Meurs. T'as besoin d'aide, oui, t'attends 5 minutes. Tant que je bute tout le monde. Fusil à pompe est vachement sympa dans ce jeu. Il est vraiment très sympa. On va dire E pour fouiller. Ouais.
je le mets tout. Il faut peut-être que je les prenne en photo. Voilà, quatre œils pour œil réussi, c'est bon. Non, pas encore. Je suis à Sal. Donc je pense qu'on a débloqué le truc. Arrêtez de gueuler. J'ai bien en fait, je vais les aider. Puis en fait non, ils murlent dessus. Okirat, la seule loi est celle que tu peux appliquer toi-même. Le jeu est vraiment magnifique, hein, graphiquement. Tu es le bras armé de notre justice. Laissez-moi. Ok, le coffre. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va déjà prendre le point de compétence. Ok, ici, voilà. Donc, ça, c'est... Terminer une quête des amorçages. Ça serait pas mal. Ça pourrait être intéressant. Tu as une quête de Longinus. Ça évite le rechargement de toutes les armes et grandement amélioré. Ça peut être très 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 intéressant. Faites sonner deux cloches d'illumination à Shangri-La. Ouais. Libérez deux avant-postes sans vous faire repérer. Atteignez niveau 4 de karma. D'accord, bon, on va faire ça. Peut-être pas tout dans cet épisode-là, mais... Hop là. Alors, on va vite fait prendre le dernier avant-poste. Qui est ici. Puis on va se laisser là. Ouais, bah 5 minutes. Je suis à 196 000. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin. Du rhum des femmes et de la bière non de Dieu. Excusez-moi. Bon, alors. On va prendre ça. Un pick-up, comme d'habitude. Ah, c'est des gâteaux aussi, ça c'est trop bon. Pardon, excusez-moi, je pense qu'à bouffer. On a 1 km de à faire. Donc on va se dépêcher d'aller prendre ça. Hein. Alors, je sais pas si je peux utiliser bien cette wingsuit. Je crois que je vois. Parce que franchement, c'est vraiment très intéressant d'utiliser ça. Faut aussi que je monte au niveau 2 en karma. Ce qui pourrait être bien. Hop, ah, il y a un message là-bas, je crois. Non, c'est les alliés. Encore 700 mètres. On va se dépêcher. Meurs, voilà. Voilà. Des points d'XP en plus, c'est bien ça. Bon, j'aime pas du trop, c'est la conduite. Quand on a qu'une seule main. C'est-à-dire l'autre main, on utilise le flingue en fait. Je trouve pas... J'arrive pas à m'y... à le faire. Attends. Ouais, cherchez lui. Usine en briques rechange. Hop. Faut même pas essayer de le bloquer en plus hein. C'est pas une forteresse ça? C'est quoi ça? Ah c'est l'usine, d'accord. Ok bon je vois pas le messager. Bon bah on va se laisser là. À cette usine en briques. Donc on va se mettre sur le toit et puis voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner aussi. Hein. Que dire d'autre l'épisode 4 est un épisode bon un peu comment dire fait à la va-vite. Celui-là j'espère qu'il sera plus travaillé. Que vous pensez qu'il sera plus travaillé. Voilà. Bon allez, à plus tout le monde et puis j'espère que vous avez bien aimé.